Welcome, everybody. So, people in, uh, in Jussieu and people uh, uh, elsewhere. So, um, it's my great pleasure to uh, start this uh, conference in, in honor of uh, our friend and colleague uh, uh, Gilles Pages. Um, so, it would be nice to have uh, everybody uh, here in this uh, room, but so someone is following from, uh, uh, I don't know where, but uh, uh, elsewhere, so um, well, let me just start by uh, thanking uh, all the participants and uh, so all the people who have made this conference uh, possible. So, the scientific committee, the organizing committee, so our secretaries, so especially uh, Daphne and Vincent have made uh, a huge amount of work and they were quite stressed uh, <laughs> because there have been many technical problems, as you may imagine. So, I hope now. Everything works uh, uh, and um, okay so uh, now I'm sorry for uh, those who are maybe uh, uh, foreigners, but I will switch to French for devant la bouche. Bah, du coup, bon, j'enlève mon masque. Bon. Ça va aller pour euh, Zoom Vas-y. Bon, donc, je... Non, mais comme ça, c'est insupportable. Je passe euh, euh, au français. Donc, euh, ça fait un moment que je me prépare à, à donner ce petit discours. Euh, en l'honneur de, de Gilles, euh, qui est une personne très importante pour, pour le laboratoire et, et, et pour moi en particulier. Euh, donc, euh, bon, Gilles est une personne avec euh, disons, beaucoup de... de, de je ne sais pas même comment, comment commencer. Euh, il a été, bien sûr, euh, directeur euh, du laboratoire. Il a été l'un des, et il est toujours l'un des leaders, euh, disons, du monde des probas appliqués euh, et des probas numériques dans le laboratoire. C'est une personne qui est extrêmement présente euh, dans les locaux et dans la vie euh, scientifique et, et humaine euh, euh, du laboratoire. Donc, c'est impossible de, de rater Gilles Pagès quand, quand on visite. Euh, le, le LPSM. Euh, donc, j'ai nommé par exemple sa, sa direction. Euh, il a été directeur à un moment où le euh, laboratoire, euh, de, bon, le côté P6 déménagé de, de Chevaret est rentré à Jussieu. Euh, donc, il y a eu pas mal de questions à l'époque sur comment... Euh, ben à l'époque, c'était le LPMA encore. Comment continuer l'activité euh, sans perdre de contact entre le, le côté P6 et le, le côté P7 euh, Donc, du coup, à l'époque, il avait notamment introduit la, la, la nouveauté des, des directeurs adjoints qui n'existaient pas avant. Donc, il y a eu un directeur adjoint côté P7 qui était Francisco Betz. Bon, moi, j'étais. Premier euh, directeur adjoint côté P6, même si c'était un rôle assez. Euh, voilà, pas, pas très important. Mais donc c'est là que je commençais à, à le fréquenter souvent. Euh, il venait souvent dans, dans mon bureau, il, il, il me racontait donc ses, ses problèmes, ses, 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 bah, toutes les choses qu'il qui occupait. Moi je l'écoutais surtout, je, entre moi et, et lui, c'est lui. Le, le plus bavard, euh, mais euh, ça a été pour moi une, vraiment un apprentissage. Euh, bon, à l'époque, je vous parle de 2010-2011, euh, j'étais en France depuis cinq ans, euh, je comprenais encore à peine le, le système. Enfin, je ne sais, sais pas si je le comprends maintenant. Euh, et il m'a vraiment appris beaucoup, beaucoup de choses et Bon, entre autres, c'est grâce à lui que ensuite euh, j'ai eu l'honneur de devenir directeur euh, plus tard. Mais j'ai toujours beaucoup apprécié son euh, esprit euh, collectif. Donc, il a incarné une vision assez combative du, du LPMA vis-à-vis euh, -vis des laboratoires euh, qui étaient euh, les voisins, non voisins. Euh, il a toujours défendu avec euh, beaucoup de force, d'énergie donc les, les intérêts euh, des, des, des probastats. Euh, à l'intérieur du laboratoire, il a toujours défendu les intérêts des probas euh, numériques et, et, et des maths financières. Euh, il s'est toujours plaint du fait que le laboratoire ne euh, répondait pas assez. À, euh, aux exigences donc de, de cette euh, discipline. Bon là je répète un peu ce que j'avais dit euh, à la conférence pour Nicole. Euh, Peut-être la différence entre Gilles et Nicole est que euh, Gilles était parti, euh, pardon, Nicole était parti à l'École polytechnique et Gilles était ici. Donc il a continué de se battre pour, euh, euh, voilà, pour recruter, ce qui n'a pas été fait euh, autant qu'il aurait souhaité, etc. Euh, donc, euh, il, il a vraiment euh, toujours été extrêmement, comme je dis, combatif euh, et en même temps, sans, euh, je comment dire, de façon totalement honnête, euh, il, il a, euh, il, il, quand je, quand dis, c'est toujours plein, mais. Euh, il a, il a toujours aussi euh, compris les, les, les intérêts collectifs, euh, etc. Euh, du point de vue euh, humain, euh, comme je disais, c'est une personne extrêmement présente. Il est toujours euh, là. Bon, il voyage bien sûr, euh, comme tout le monde. Mais si, s'il est à Paris, on est, on est sûr de le trouver dans, dans son bureau. Euh, par exemple, là aussi, surtout au début de ma direction, il ne manquait pas de me faire remarquer qu'il arrivait toujours avant moi et qu'il partait toujours après moi. Bon, là, il a un peu arrêté. Merci, Gilles. Mais en tout cas, il est un élément de présence très, très rassurante au laboratoire. Il a un rôle de... D'oreilles, il il, beaucoup de personnes vont, vont lui raconter euh, leur, leurs histoires, leur, leurs problèmes. Euh, voilà, moi, je crois un, un petit peu aussi, mais, mais moins. Bon, je ne suis pas jaloux, c'est très bien que, que Gilles ait, ait, ait ce rôle. Euh, et comme je l'ai dit, bon, on ne peut pas le rater aussi parce que quand on est à la cantine, bon, là, ça fait un moment, mais. Quand on est dans la salle de convivialité, quand on est en groupe, bon, c'est peut-être la personne qui raconte le plus de, de blagues, d'histoires, d'anecdotes. Et bon, vous le connaissez tous et toutes et tous. Et je n'ai pas besoin de vous, de vous dire ça. Donc, euh, je suis très, très content donc, de, de pouvoir ouvrir cette conférence. Euh, bon, mon nom n'apparaît pas dans l'affiche, mais, mais j'ai quand même joué un rôle dans l'idéation et la, et, et la préparation. Euh, comme je l'ai dit, Gilles est une personne, euh, je ne sais pas comment dire, essentielle pour, pour le laboratoire. Je pense qu'il a vraiment construit dans les années une. une activité scientifique qui a profondément euh, marqué influencé euh, la, toute la communauté bon ça se verra dans les dans les, les exposés qui, qui vont qui vont venir moi je l'ai vécu comme comme collègue et euh, je pense que même s'il se plaint euh, il a il a gagné la, la partie dans le sens que euh, toute toute la encore une fois, je répète un peu ce que j'avais dit pour Nicole. Toutes les résistances qu'il a pu rencontrer dans le passé sont vaincues. Donc, il s'est aussi plein bon, du fait que la conférence pour les 60 ans était un rappel du fait que le temps passe, que l'âge tend à augmenter. Mais en même temps, quand on a 60 ans, on a aussi le privilège de pouvoir constater tout, tout, tout ce qu'on qu a construit. Et ça, je pense, c'est quelque chose qui doit le, euh, lui faire un, un grand plaisir. En tout cas, c'est mon sentiment. Euh, je pense que Gilles est la personne avec laquelle j'ai le plus parlé pendant ces, ces 15 ans au laboratoire. Euh, ça a été un, un vrai enrichissement, comme je l'ai dit, professionnel et personnel. Euh, donc, euh, je suis très attaché à, à lui. Je sais qu'il porte euh, voilà, un, une grande affection au laboratoire et, et à toute la, la communauté. Et. Euh, voilà, donc je le remercie pour euh, tout ce qu'il a fait pour, pour, pour nous. Donc maintenant, je, euh, comme je l'ai dit, je me suis longtemps préparé. Je ne sais pas si j'ai dit tout ce que je voulais dire, euh, mais euh, je pense que au moins le message principal était, est passé. Donc, euh, euh, voilà. Je vous souhaite une bonne continuation et je passe la parole à Benjamin Jourdain, qui est le premier chairman.